Tout au long de l'année scolaire 2023-2024, les 9 écoles du réseau d'éducation prioritaire de Mazingarbe ont travaillé sur les valeurs de l'olympisme à travers différents ateliers et sorties engagées. Parmi les temps forts de ces actions, l'arrivée de la flamme olympique à la mairie de Mazingarbe ce lundi 24 juin. Alors, c'est des actions qui ont été menées toute l'année scolaire pour développer chez les élèves beaucoup de compétences, beaucoup de savoirs, notamment le savoir vivre ensemble, respecter l'autre, les égalités entre tous. Et aujourd'hui, c'est une grande fête. Et cette grande fête, elle se manifeste notamment par l'arrivée de la flamme à la mairie de Mazingarbe. Cette flamme olympique qui a été créée par l'école Georges Sand a voyagé dans les 9 écoles du réseau. Donc ça a duré tout le mois de juin. Mais je vous dis, hein, c'était vraiment une année olympique avec des actions qui ont été faites vraiment pour que les élèves aient un souvenir inoubliable de cette année olympique et paralympique. Un souvenir inoubliable également pour le maire de la ville qui a reçu cette flamme de ses jeunes écoliers. C'est un grand honneur, c'est vrai que les enfants ont fait un travail formidable autour des Jeux Olympiques et la dernière école qui me ramène ici la flamme, c'est une école de Mazingarbe, hein, puisque cette flamme a parcouru le réseau entre Bully et Mazingarbe. Elle est arrivée ici en mairie par les derniers porteurs, donc par l'école Benyevar. Et c'est un véritable plaisir, un grand honneur de la recevoir ici à Mazingarbe. Mazingarbe a eu sa flamme et très prochainement, une autre flamme fera sa venue à Lens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent autour de l'arrivée de la flamme, l'officielle, cette fois-ci, le 3 juillet prochain. Et c'est vrai qu'il y a énormément une programmation qui s'est faite. Et sur le parcours, il y aura différentes manifestations, différentes activités qui seront réalisées pour le plus grand plaisir de la population. Donc, rendez-vous le 3 juillet à Lens pour célébrer les valeurs de l'olympisme.